Coucou tout le monde, c'est la team Miel avec Miel, le roi des Gerudo. Salut le roi, salut la reine. Youpi. La reine Naël. Toi c'est une déesse, toi t'es une déesse, c'est vrai, Marlo. Je suis la déesse Laë Lutena. En fait je disais wouah parce que j'étais impressionné par les trucs qu'il y avait sur le... Sur le truc. Là, les piliers de la foi. D'accord. Ok, si vous trouvez ça drôle, ok. Hein. Le soufflet de mes flammes consumera son âme. T'as vu, elle a grandi. J'aime pas leurs dents. Qu'est-ce que t'as contre tant de nos dents, Laël? La morsure de ma glace pétrifiera les os de Laël parce qu'elle a osé se moquer de mes dents. N'empêche que j'aime comment ce boss est. C'est des petites mamies qui deviennent super grosses. Grandes, pardon. Enfin, grosses aussi, mais. Twin Robin. Non, c'est Gio Maléfique. Alors, lequel des deux va te troller? Je sais pas. Non, ça a l'air d'être. Poumé. Non. Si. Non. Ok. Voilà, elle se balade. Je trouve ça drôle. Vous faites de la magie? Voilà, c'est le mauvais. Vise pas, vise pas. Wouah! Il faut pas les viser en fait. Oui, je sais. Ah bah. Oh, Madame de Glace, elle a. C'est passé où? Elle est partie. Bon, je vais prendre mon temps sur ce boss parce que. Vu que je vois. Beaucoup. Oh bah zut, ça me. Ah, en plus, ça te fait pas mal. Ça te fait mal justement, ça te fait plein de dégâts. J'avais mon bouclier. J'avais mon bouclier. Elle est où ta sœur? Eh bah dis donc. Mais moi je vise d'habitude, je te jure. Là je vais pas être touché quand même. Bah si. Bah alors comment on fait? En fait il faut que tous les deux soient dans le même angle en fait. Enfin moi je vais toujours au bord, sur un des bords. Ah là, non. Oh. J'arrive pas à le stick. Il est pénible, je te jure que le stick de la DS il est mieux. Ah bon? Bah je les ai battus super vite sur DS. Regarde, tu vois, ça me touche, je peux pas être. Ouais, mais il faut les faire face en fait, faut leur faire face. Alors là tu fais face à Madame de Feu. Tu peux pas toucher l'autre en faisant ça. Ah là. Yeah. Tu l'as touché une fois. Plus que 3. Yoshi sera en fête. Moi je crois qu'il y avait que la glace qui faisait celle de feu, elle faisait jamais. Ah bon? Oui. Elle était méchante. Attention, il y a la glace qui te tire dessus. T'es où? Ah bon? Wouah. Elle est où ta sœur? Mais vous étiez dans le même angle en plus. Tu vois, il vaut mieux viser. Et comme t'as ta visée moche, bah je l'aime pas, moi. Non, mais Link! Pourquoi t'as arrêté de viser? Je te jure que j'aime pas cette visée. Oui, je crois comprendre que. J'y arrive pas du tout. Mais on peut pas la changer? Bah non, tu peux pas la changer. Faut redémarrer le jeu pour la changer, en fait. Ok. Je comprends pas, en fait, comment on peut avoir du mal avec une visée fixe, sachant que t'as juste besoin d'appuyer une fois sur le bouton, en vrai. Moi ça me perturbe. Alors, le stick pareil. Bon, le stick j'y peux rien là par contre. Bon ça va, elles ont l'air d'être gentilles, elles bougent plus. Allez. Miaou. Du coup t'arrêtes pas de tuer la pauvre Madame de Glace, bah du coup elle s'en va. Wow. Tu vois, il y en a qu'une qui se prend tous les dégâts. Ah, ça fait toujours. Bah, je les ai fait que 3 fois. Oui, il n'en reste qu'une. Attends. Oula. Attends, tu te rends compte que la flaque de feu, elle était juste à côté. Ah bah voilà, Madame de Glace, elle a compris, mais le problème c'est que. Ah, oh, tu l'as touché.
Voilà. Là, ça fait 4. Oui, c'est bon. Bonsoir, Yanamar. Quand Yanamar, Gatwine Rova. Kotoke, Kume, double fusion maléfique. Et maintenant, j'ai beaucoup trop de rouge à lèvres. Il a rougi, Link. Non, il est choqué. Il est choqué. Là, tu peux la viser. Et là, après, il faut faire quand elle fait une attaque. Faut faire que du bouclier normalement. Oui. Enfin... Sauf si elle te fait une attaque de feu, là tu l'évites. Moi j'avais fait croire à mon frère que le bouclier était en train d'exploser. Là elle va faire une attaque de feu parce que c'est drôle. Non, non. Ouais. Et après il faut faire quoi? Que tu cours dessus. Non, dévise. Ok. Elle est énorme. Mais oui, elle est énorme. On va attendre. Range ton épée, ton épée, ton épée. Dévise. Moi, elle me fait penser à rouge, du coup. Oui. Je vais t'attaquer avec le feu. C'est mon élément, après tout. J'y fais de la magie de feu. Elle est mignonne, quand même, Twin Rova. Ouais, pour une vieille grand-mère, j'avoue qu'elle se porte pas si mal que ça. Hein. Bah, dis donc, elle change beaucoup de trucs. Ah, moi, ça faisait toujours ça. Elle en faisait deux de feu, et hop, elle en passait à l'autre. Deux de glace, hop, elle passait à l'autre. Du coup, j'étais triste. Ah bon? Pour un coup. Moi j'adore ce boss, c'est mon boss préféré de Ocarina of Time en fait. Ouais, c'est même pas Goma. Non, non. Goma il me fait peur. Quelle petite punaise, cette fois c'est du sérieux, n'est-ce pas, Kotake? Hein? Hé, hey, Gome, tu as un truc d'au-dessus de la tête. C'est parce qu'on s'est bien occupé de notre fils. T'es devenu sénile. Cosmeilleur à ta grand-mère. Cosmeilleur à ta grand-mère. À ta grande sœur, à ta grand-mère. Mais Jonas, t'es mesquine. Vieille chouette. Moi j'aime bien après qu'on dirait une phrase trop cool qui est drôle. En tout cas, moi je suis sexy. Allez, donnez-moi votre amour de Nero là. Mais je crois que la phrase aussi, elle a été changée dans... Elle a été changée dans la version 3DS. Tu peux... J'en ai marre du... T'as vu, tu vas mourir. Oui, j'ai vainqueur. Je suis un vainqueur. Oui, on sait, là, elle, que tu es la... Le spécialiste de ce jeu. Non, c'est même pas vrai. Voilà, je fais l'amour de Nero. Pour aller te téléporter, je me demande bien qui est le sage d'ici. Alors, moi je pense que c'est Twin Rova. Elle est montée au ciel, donc voilà. Alors, la réponse est... Ganondorf. Yo! Merci Ganondorf, du fond du cœur. Regarde-moi ça, le gamin est devenu un grand guerrier. Et tu sais quoi, Anaboru, dans un live, je t'avais fait une voix de Dark Valor. Les gens, ils disaient. Même si c'était une voix de méchante, en fait. En fait, excuse-moi de t'avoir attaqué. J'étais sous le contrôle des sorcières et sous les ordres de Anaboru. Pouah ! Toute cette histoire est incroyable, non ? Moi, le sage de l'esprit, c'est à mourir de rire, même si je ne rigole pas. Mais en tant que sage, mon devoir est de désormais de combattre. La vengeance sera terrible. Yaha ! Mais décidément, Naoru, quand elle parle, c'est épique. Pourquoi ? Mais arrête pas de dire des... Gamin, eux. Miel, héros du temps. Dis au revoir à Tata Naoru. Je te remets ce médaillon. Le petit bisou sera pour plus tard. T'as vu, tout le monde est amoureux de Link. Prends-en soin. Non, pas Darunia. Non, Darunia, il veut le manger. Darunia, c'est son ami. Il dit, t'es mon bro. Oui. T'es mon bro. Link, c'est le bro des Gorons. T'as vu, il est cool, le médaillon des esprits. Oui.
Ça fait des spectres qui tournent entre eux. Vous avez le meilleur de l'esprit, Naboru se révèle être un sage et vous confie son pouvoir. C'est nous, Ganondorf, donc Ganondorf ne confie pas à son pouvoir. Tu es devenu beau et fort. Tu peux plus m'appeler Tata. Tu peux plus m'appeler Tata. Maintenant, d'ailleurs, elle a pas vieilli, c'est parce qu'elle a été gelée en fait. J'aurais dû tenir ma promesse. Oui, sûrement en fait. D'un côté, oui, vu qu'elle était pas elle-même. Non, mais je veux dire, elle était gelée. Oui. Bien, le héros. Enfin, les six sages sont éveillés et j'ai les yeux rouges parce que j'ai mal dormi cette soir. L'heure est venue pour toi de défier le seigneur du malin. Mais avant de croiser le fer avec le vil Ganondorf, il te reste une personne à rencontrer. C'est moi. Cette personne t'attend au temple du temps. C'est le Père Noël. C'est le Père Noël, il te rapporte des cadeaux. Il va te offrir un magnifique présent. Allez, au revoir, Miel. Mais moi, je vais pas y aller. Et tu vas aller où? On peut pas retourner en arrière. Si, tu connais le chemin? Non, mais on peut essayer. Parce que sinon, on est obligé de retourner au temple du... Ah non. On peut aller au parle là qu'il y a. Allez, si tu veux, on va tenter. On va tenter. Parce que d'où on est? On est comme ça. Il y a des gens qui ont déjà réussi, alors je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire. Mais c'est quoi tous ces gens qui viennent me voir? Ils veulent faire un câlin à Miel? Parce que voilà, ça y est, c'est le héros. Bon, elle est où ta caisse? I don't see anything. Elle est droit devant toi. Elle est là. Je la vois pas. Pas grave, on a beau être en HD, je la vois pas. Hein. On a beau être en HD. C'est bon, arrête d'insulter ma télé HD. Non, j'insulte pas la télé, j'insulte le gâteau. Ah, oh, voilà, je le vois. Et voilà, vous m'aurez plus. Donc maintenant, il faut aller où? Voilà. Quelque part, comme ça. Mais va plus sur la gauche. Genre comme ça? Ouais. Non, raté. Oh, sinon je fais le chant, hein. Vas-y, fais le chant. Alors, la sérénade de l'eau, que je me souvienne, c'est... C'est AZXXY. AZXXY. T'as vu, je me suis pas fait avoir cette fois-ci. T'as vu, Miel, il devient de plus en plus petit. C'est devenu Link enfant. C'est redevenu un enfant. Maintenant, c'est redevenu un adulte. Regarde, Navi avant encore... Tu vois, Navi, elle s'est téléportée alors qu'en fait, elle est pas dedans. Bah non. En plus, elle est déjà là. Non, pas plonger. J'ai envie de jouer Mario Sunshine et d'appuyer sur A pour aller plus vite, mais... Oh non, il va faire nuit. Oh, t'aimes pas quand il fait nuit? T'as peur qu'il y a des... Comment ça s'appelle déjà? Des sacs d'os qui viennent t'attaquer? Oui. Mais y'a pas de sac d'os quand t'es adulte. Ah, y'a le vilain là-bas! J'ai envie de l'appeler Jonathan, je sais pas pourquoi. Qui ça? L'autre là, je sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle Bonoru. Bonoru, pourquoi t'as un nom japonais et pas l'autre? Parce que c'est. Bah, si, Pierre, c'est un nom japonais. Oui. Attends. Epona! Bonoru qui l'a appelé. Pour la première fois de ce let's play, je vais te chevaucher. D'accord. Et pourquoi le jeu il lag en plus? C'est parce que t'es pas gentille. Tu dis des bêtises. C'est vrai, j'ai pas le souvenir d'avoir chevauché Epona pendant le let's play. Tu l'as pas chevauché? Ah si, pendant la course. Oui, c'est vrai. Tu vois, Epona a la peur des collines. Pourquoi tu veux pas passer Epona? C'est bien qu'Epona, c'est une peureuse. Tu sers à rien, Epona. Des carottes, des carottes, des carottes. Écoute, t'as fatigué beaucoup Epona alors. Maintenant, elle va être trop lente. Voilà. Même Link qui court, il va plus vite. Son Epona, c'est même pas le moyen de locomotion le plus rapide. C'est le super slide. Slide.
Le Super Style, c'est l'avenir, là, elle, utilise-le. D'accord, j'y réfléchirai. Attends, tu pourras plus faire de saut trop cool de la mort parce que t'es... T'as un cheval. J'avoue, franchement. Parce qu'il y a un... Oh, pomme. Le soleil. Oh, la lune. Elle est partie super vite. Alors, je vais attendre le matin parce que je veux quand même la musique. Voilà. Allez, on va faire le jeu de l'archer. Non, je plaisante. Bah vas-y, hein. Si tu veux t'entraîner à battre le record qui est 1590 points, je crois. 1510, je sais plus. Non, c'était 1590. Mais t'as vu, du coup, ou pas? Bah ouais. T'es rentré au matin, du coup, il y a pas Mais il y avait le cocorico. Bah oui, mais justement, en fait, t'es rentré trop tôt, du coup, il y a pas de musique. Oh, vous servez à rien. Je peux même plus vous tuer avec mon cheval. D'accord, Epona, tu casses les panneaux. Epona, la vandale. Bon bah, on verra ça dans la prochaine partie, alors. Oui. Oui. C'est trop cool. Epona. Oui. Attends, on va monter au plus haut. Non, pas là-bas. Et du coup tu l'as abandonné. Lui et elle et son petit ami. Ah oh non, je veux pas Epona. Bon bah c'est pas grave, on va le faire ici. Voilà. Au revoir tout le monde. Salut. À bientôt pour la prochaine partie.